Applaudissements à tout rompre. Pour sa première visite officielle au Canada, le président américain Joe Biden a été accueilli en grande pompe. Il n'avait pas pu s'y rendre juste après son investiture comme le veut l'usage à cause de la pandémie. L'occasion pour le Premier ministre canadien de rappeler la grande amitié qui lie les deux pays. Monsieur le Président, vous êtes un véritable ami du Canada et cela compte plus que jamais en ce moment. Alors continuons à travailler dur et ensemble, continuons à bâtir un avenir meilleur pour notre peuple. Une rencontre bilatérale qui aura également permis d'aborder le sujet épineux de la question migratoire. Pour le président américain Joe Biden, Washington et Ottawa doivent travailler ensemble pour décourager les traversées illégales. Aujourd'hui, j'applaudis la Chine pour ses efforts. Pardon, j'applaudis le Canada. Vous savez ce que je pense de la Chine, j'en parlerai plus tard. J'applaudis le Canada pour ses efforts afin d'ouvrir de nouvelles voies légales pour que 15 000 migrants puissent venir au Canada depuis des pays du continent américain. Selon cet accord, le Canada accueillera en effet 15 000 migrants légaux supplémentaires. En contrepartie, le chemin Roxham devrait être fermé. L'an dernier, environ 40 000 personnes sont arrivées depuis les États-Unis au Québec par cette voie de fortune, en contournant les points d'entrée officiels. Mais la fermeture de cette voie officieuse est vivement dénoncée par les associations de défense des migrants.